Bonjour à tous, ce petit message pour vous rappeler que l'atelier de la vigne a pris 3 stagiaires pour une période de 1 à 3 mois. Alors il y a un petit poste, je vous mettrai le lien pour aller voir pourquoi nous avons pris ces jeunes. Pour résumer, eh bien, ces jeunes avaient fait plus de 140-150 demandes de stage et vu la conjoncture actuelle, eh bien, ça leur a été refusé. Donc personnellement, ça m'a un petit peu agacé que des grosses entreprises ne les prennent pas en stage. Donc j'ai décidé de les prendre. Alors bien évidemment, dans la mesure des moyens de l'atelier de la vigne, et c'est pour ça que nous avons ouvert cette cagnotte Tipeee pour pouvoir éventuellement leur donner une gratification, bien sûr, à la fin de leur stage. Alors si ce genre d'initiative vous intéresse, vous touche en tout cas, moi ça m'a beaucoup touché que ces étudiants qui ont déjà galéré pendant 1 an ne puissent pas trouver de stage à l'issue de cette année de scolarité, et donc pour valider cette année de scolarité, perdre encore 1 an, c'est pas normal dans la situation actuelle. Eh bien, n'hésitez pas, tout ce qui arrivera sur la cagnotte leur sera naturellement consacré. Merci à vous. Bonjour à tous, nouvelle journée de travail à l'atelier de la vigne et je peux vous dire que c'est vraiment le premier jour d'automne et ça caille sérieusement. Alors on va commencer cette journée par un nouveau projet. C'est la restauration, comme vous pouvez le voir, d'un Solex, encore, vous allez me dire, mais d'un MBK. Alors le client souhaite une rénovation totale, donc on va entièrement le désosser, comme vous savez comment on le fait à présent, hein, vous avez suivi plusieurs vidéos. On va le désosser pour le porter au décapage, en attendant, bien sûr, que les dernières pièces de la 88, qu'on a remontées ensemble, et arrivent. comme vous le savez, la première chose à faire, c'est d'enlever les roues avant et arrière, et bien sûr, de tomber le moteur de la partie cycle. Le moteur a été enlevé ainsi que les roues. Et vous voyez qu'il fait froid parce que vous entendez là, il y a un petit souffleur électrique, que ça caille vraiment très fort. À présent, eh ben, on va démonter ça, j'allais dire, au fur et à mesure. Donc ce Solex MBK est prêt pour
la première phase de sa restauration. Là, toutes les pièces, le moteur, tout ça qu'on doit refaire ici à l'atelier. Et puis là, donc la caisse qui va partir, donc mettre ça en traitement, décapage. Puis elle revient ici pour le sablage, microbillage, pour repartir enfin à la réfection d'une belle peinture. Donc voilà pour ce premier. Et on va en attaquer un deuxième parce que j'aime bien faire les restaurations en série. De Solex, de Mop par exemple, c'est plus facile, on a le rythme entre guillemets. Donc on va en démonter un autre pour pouvoir également faire le même traitement. C'est parti. Comme je vous l'avais dit, deuxième Solex à restaurer entièrement pour un client de la Drôme. Donc un motobécane encore 3800, donc intégralement noir. On va donc aussi le démonter, le mettre dans les petites caisses pour pouvoir bien sûr préparer sa restauration, c'est-à-dire comme vous le savez, le décapage, le sablage, le microbillage et puis bien sûr les couches de peinture. Alors, comme tous les Solex qu'on démonte, comme celui qu'on vient de faire, on va commencer bien sûr par les deux roues et par la dépose du moteur. C'est parti! Voilà, donc troisième boîte, troisième motobécane à démonter. Alors là, c'est pareil, on fait exactement le même système. On démonte la roue avant, la roue arrière, le moteur. Et puis ensuite, eh bien, on coupe le Solex en deux parties, ce qui nous permet ensuite de les démonter facilement. Et en même temps, bien sûr, j'ai oublié de vous dire pour le second en tout cas, on note les pièces qui sont cassées et qu'il faut donc retrouver. Et ça nous permet d'aller beaucoup plus vite ensuite lorsqu'on programme le remontage. Allez, je vous filme le moment où les deux parties vont se détacher. Alors pourquoi on restaure ce Solex? En fait, d'abord le client veut une restauration à neuf, donc ça c'est le premier point. Et puis le deuxième point, on ne le voit pas, c'est difficile sur les vidéos et les photos, il faut vraiment s'approcher. Mais en fait, il a été entièrement repeint par retouche ou à la bombe, même les boulons ont été peints. Donc il n'y avait pas de solution autre qu'une restauration totale si on voulait un Solex impeccable. Allez, c'est parti, on le coupe en deux. Et voilà, maintenant on n'a plus qu'à traiter, comme vous le savez, les deux parties séparément. C'est parti. Et en caisse, un troisième. 1, 2, 3. Et ben voilà. Et là, vous avez les pièces à traiter, les roues, bien sûr, que je garde comme ça, ici. Ici, vous avez la zingrie. Et puis là-bas, le moteur. Alors, le moteur, les trois moteurs, je vais les démonter à présent vite fait. Parce que je vais récupérer la visserie. Comme ça, chaque visserie sera nettoyée et rezinguée. Et correspondra à son Solex.
C'est plus facile à remonter puisqu'on sait qu'on a à peu près tout dans la boîte sauf les quelques pièces qui seront bien sûr à changer car manquantes ou cassées. On a en même temps fait là ici les listes des pièces qui manquaient sur ce dernier 3008 motobécane et on va donc attaquer, comme je le dis, le démontage de son moteur puis du moteur des deux autres qu'on a démontés ensemble. Premier terminé, on passe au deuxième. Allez, c'est parti. Et voilà, terminé, ça va vite. Hein. Donc voilà les différentes pièces, sauf le réservoir, là il faut que je le vide. Les pièces qui vont aller se faire zinguer. Et puis, bah voilà, on a bien fait de changer le moteur. Le piston qui était complètement grippé à l'intérieur du cylindre, donc débloqué à la presse. Il va sans doute passer sur un stage 2, donc pas de souci à ce niveau-là. Bon, vous savez quoi, il y en a encore un troisième. Et le troisième, le voilà. Allez, on va le démonter. Et puis, et bien après, on va passer à vos commandes, parce qu'il faut aussi penser à vous livrer. Donc, je vais préparer vos commandes. Un cadre, une partie cycle complètement démontée dans la journée, plus trois moteurs. C'est une bonne journée. Je pense qu'on n'a pas, chômé aujourd'hui. Voilà, terminé. Et puis là aussi, piston grippé. Et beaucoup, beaucoup de merde. Bon, on va ranger tout ça maintenant, puis on va nettoyer, parce que là, c'est vraiment dégueulasse. On va nettoyer l'atelier pour passer à autre chose. Donc voilà, vous voyez, on a démonté donc trois cyclos. Trois cyclos qui vont maintenant partir au traitement. Donc on a celui-là là-bas, plus deux qui sont déjà installés dans la remorque. Et puis l'ensemble des pièces à castillage et moteur rangées par caisse. Maintenant il ne nous reste plus et c'est en train de se faire à micro-biller la visserie pour pouvoir bien sûr aller la zinguer. Donc voilà pour cette opération démontage de trio, d'un trio de 3008. Sur une journée et demie à l'atelier de la vigne. Si ça vous a plu, eh ben, n'hésitez pas à partager, à liker. Alors, je vous remercie, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne puisqu'on a dépassé les 2000 abonnés. Merci à vous et continuez à vous abonner parce qu'il y a encore 80% des personnes qui nous suivent et qui ne sont pas abonnés. Alors, ça ne coûte rien. Allez-y, cliquez, abonnez-vous. À bientôt. Alors, comme vous pouvez le voir, ce qu'on a fait pendant cette journée et demie, eh bien, ça fait un sacré morceau. Alors au fond là-bas il y a des pièces qui partent bien sûr à la peinture, mais devant là vous avez les 3008 qui partent eux au décapage. Ah ciao, à bientôt pour la suite de la resto.